Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Merci beaucoup. Désolée, petit détail technique, je me suis déconnectée. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la conférence virtuelle internationale des Yoatzot Halakha. Aujourd'hui, nous parlons de Monkom Bataille, prévenir pour guérir. Avant de présenter Dr. Héloïse Benesch, je vais juste donner quelques points techniques. Nous avons une modératrice, Lucie, qui est là pour toutes vos questions sur le moderator chat. Vous pouvez poser vos questions tout au long de notre séance sur le room chat et sur questions-réponses, question-answer. Et à la fin de notre session, s'il reste des questions qui n'ont pas été répondues, nous vous donnerons l'occasion de passer en live et poser vos questions directement à nous. Alors, je vous présente rapidement. Je m'appelle Nathalie Lovenberg, je suis Yoatzet Halakha depuis bientôt 13 ans maintenant. Et en dehors de ça, j'ai fait il y a quelques mois terminé une formation avec Chercheurette, qui est une organisation qui aide les femmes qui ont des cancers du sein et des ovaires, avec Eutuatzalacha pour apprendre à accompagner les femmes qui traversent cette période difficile. Et après la formation, c'était évident pour moi qu'à cette conférence, il y aurait une session sur la prévention des cancers dits féminins. Et j'ai l'honneur d'avoir Dr. Héloïse Benesch, une amie oncologue. Alors, Héloïse, bienvenue et merci. Bonsoir à toutes. Je crois qu'il y a des femmes, je pense. Je n'ai pas regardé si vous êtes. Non, Voilà. Héloïse, à part qu'elle soit oncologue et qu'elle est une femme extraordinaire, elle a aussi créé un centre exceptionnel, le Beit Rafaela. Tu nous racontes un peu là-dessus, Ouais, avant de commencer? alors j'ai un peu recopié ce qu'avait fait le docteur Alain Toledano à l'Institut Raphaël de France. C'était une volonté pour moi d'aider les patients. Pour l'instant, on aide les femmes mais avec cancer du sein, mais plus tard, si Dieu veut, on aidera aussi tous les patients pour les accompagner en parallèle des traitements habituels, chimio, chirurgie, radiothérapie ou autres traitements, dans une prise en charge globale de prise en charge du patient et non de la maladie. Donc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et du coup, on le met en place à Jérusalem et, si Dieu veut, après dans tout Israël. Voilà. Extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas agréable en soi, Ce ne sera mais pas rastratique, je tiens à le dire. Ce sera pas, ce sera non. sympa, ça va être sympa, promis. Super. Mais on parle quand même de cancer, de prévention de cancer surtout, et de dépistage. Alors avant de commencer, j'aimerais que celle présente, si vous le voulez, si vous êtes OK de le faire, vous indiquez dans le room chat si vous connaissez quelqu'un qui a eu un cancer ou qui a un cancer, parce que je suis certaine qu'en fait, il y en a beaucoup plus que on pense. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, je pense. Héloïse, quels sont les chiffres, par exemple? Alors, pour Israël, on dit qu'environ 100 000 personnes vivent avec un cancer dans les moins de 5 ans. Ça veut dire un diagnostic de cancer entre les années 2020 et 2015. Donc, ça représenterait à peu près 300 000 personnes qui sont atteintes, vivent avec un cancer. Je vais parler des vivants, je ne vais pas m'amuser à parler des morts. C'est important pour moi ce soir. Et du coup, si on multiplie par le nombre de personnes impactées, c'est-à-dire un conjoint, un parent, un enfant, vous multipliez ça et très vite fait, on arrive au 1,5 million de gens concernés par une personne qui a un cancer. Donc, je pense que tout le monde connaît quelqu'un. Je ne sais pas si les gens ont répondu, mais généralement, il y a toujours quelqu'un pour nous dire que oui, il connaît ou finalement, il s'est occupé ou il a été là pour être très présent. Et donc, toujours, vraiment, voilà, c'est très commun. Mais c'est pas forcément grave. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs mots dans le mot cancer, il y a plusieurs maladies et on peut considérer que vraiment, il y a plus la même c'est plus la même gravité qu'avant. D'accord. Moi, lorsque j'ai appris, on a parlé, parce que chercheur, elle s'occupe que de deux types de cancers, de cancer du sein et de cancer ovarien. Quand on a parlé pour préparer cette discussion, tu as dit, à l'instant, on va parler de tous les cancers dits féminins, entre guillemets. Qu'est-ce que tu ajoutes là-dedans? Moi, j'aimerais bien parler du cancer du sein. C'est vrai parce qu'il y a des choses à faire et vraiment, on va pouvoir. On est vraiment là pour parler pour éviter un cancer ou pour être au courant le plus tôt possible ou faire en sorte que ça se passe le mieux possible.
Il y a un cancer qu'on peut éviter. Alors, si ce soir j'arrive à faire changer les avis de une personne, je serais ravie. C'est le cancer du col de l'utérus et tous Ça, on les va en cancers reparler. liés au papillomavirus. D'accord, ça, on va en reparler après, clairement. Là, bon, cancer de l'ovaire, je vais rien pouvoir faire malheureusement parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Et puis, bon, on peut aussi parler d'un grand facteur de risque qui peut être évité sur d'autres cancers et sur tout type de cancer ou sur tout type d'autres maladies, c'est l'arrêt du tabac. Voilà, si ça aussi, j'arrive aussi à faire arrêter une femme de fumer, je serais très contente ce soir. C'est génial. Moi, quand on parle de cancer de sein, on parle toujours de une femme sur huit, le cancer du sein qui est le grand chiffre. C'est Ouais. vraiment le cancer le plus courant chez les femmes? Oui. Donc, Ouais. sans équivoque, là. Mais il y a une petite nouveauté qui est Ah ouais? depuis 2 ans, c'est que juste derrière le cancer du sein chez les femmes juives en Israël est apparu le cancer du poumon. Jusqu'à présent, oui, ça a été toujours le cancer colorectal du côlon, du rectum qui était là et très présent. Mais voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien me faire un petit détail sur le tabac, mais après, pas vraiment, je ne vais pas vous embêter. On va le faire, on le fera. D'accord. Un cancer, les gens les oublient souvent, c'est pas quelque chose qui est. Il y a quelqu'un qui a un cancer, parfois on a peur de l'approcher parce qu'on a peur, mais en fait, c'est pas une maladie contagieuse ni rien. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer c'est quoi un Voilà. cancer? Parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est un cancer. Et pour pouvoir dépister, pour pouvoir prévenir, quelque part, on a besoin de savoir d'où ça vient. Oui. Alors, par exemple, maintenant qu'on vient de traverser le coronavirus, et tout le monde le sait, qui est une vraie maladie infectieuse qui était possiblement transmissible via les sécrétions ou tout ça. Donc, on n'est pas dans ce cas-là maintenant. Il y a quand même une transmission qui peut se faire via les gènes, donc via notre ADN. Si jamais un de nos parents a été affecté ou quelqu'un de notre famille et qu'on s'aperçoit qu'il commence à y avoir pas mal de cas de cancer dans une famille, je peux pas dire qu'il n'y a pas de transmission, mais c'est pas une transmission infectieuse, c'est une transmission via les gènes, puisque le cancer, c'est une maladie des gènes. Une altération de la réparation, voilà, en permanence à l'intérieur de nous, on a des foyers cancéreux. Grâce à Dieu, c'est géré. Voilà. Non, mais c'est vrai. Genre, tous les matins, vous voulez vous réveiller et vous dire, chaque jour, votre corps gère. Voilà. C'est assez impressionnant. Et du coup, bon, il faut comprendre quand est-ce qu'il y a ce mécanisme qui faillit et qui est plus capable d'engendrer soit la réparation, soit d'éviter l'accélération vers un processus de cancérisation. Des fois, ça arrive, voilà. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que 75% des gens vont s'en sortir, vont guérir de manière définitive. On va toujours les surveiller parce qu'ils sont quand même plus à risque que la population habituelle, enfin générale, d'être à risque de récidiver. Mais si au pire, ils récidivent, on est juste là à côté et on les surveille de manière régulière. Mais il y a plusieurs mots dans le mot cancer. Donc, il y a vraiment des maladies qui sont devenues... Je ne vais pas dire inoffensif parce que sinon je vais me faire Non, arrêter en public. Non. Non, non. mais vraiment, si jamais vous prenez en considération que certaines femmes dans une population âgée avec des cancers du sein, par exemple, qui ne sont pas très évolutifs, qui sont très répondants au traitement, qui réagissent très vite, et c'est l'histoire de quelques semaines pour les prendre en charge de manière aiguë, après, effectivement, il va y avoir un traitement long cours et s'il est bien toléré, voilà, je ne m'inquiète pas pour ces dames-là, elles vont passer leur traitement, ce n'est pas simple, mais. Finalement, on sait que le pronostic vital n'est pas engagé. Par contre, c'est vrai qu'à l'inverse, bon, il y a certaines femmes pour qui on s'inquiète et de manière légitime. Et du coup, elles, on va vraiment beaucoup les suivre, on va beaucoup les accompagner. Malheureusement, elles vont avoir des traitements assez agressifs. Voilà, là, il va vraiment falloir être avec elles et à côté d'elles. Et là, effectivement, je peux comprendre que là, ce mot cancer-là, spécifiquement, il a une résonance, effectivement, d'engagement du pronostic vital. Et du coup, après, tout ce que ça peut entraîner en charge émotive, enfin, tout ce qu'il faudra après s'occuper après une fois que c'est réglé. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est du cas à cas. Ouais. On aura de la femme, de l'âge, de tout plein de choses. Et donc, en fait, ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on veut en parler, puisque le plus tôt on va déceler ce cancer, le plus de chances la femme va avoir, en fait. Donc, il y a un âge qui nous fait peur. Moi, je sais qu'en tant que, ce que je sais en tant que femme normale lambda, c'est que certaines choses ne vont même pas être offertes en dépistage avant un certain âge. Et ça, on le sait. Donc, il y a une raison médicale derrière, je suppose.
quel est l'âge moyen, comment est-ce qu'on fait, à quel âge en général ça peut arriver, et du coup aussi, est-ce que l'âge est un facteur dans le pronostic? Alors, bon, par exemple, si on parle des cancers du col de l'utérus, généralement, on avait dit qu'on en parlerait après, mais peut-être qu'on peut le mentionner. D'accord. C'est généralement. Désolée. Non, non, c'est important. C'est un sujet Pardon. qui est important et dont on ne parle pas assez, donc on va le faire. Alors, donc c'est toute femme en train d'avoir l'âge pour pouvoir avoir des relations sexuelles et qui a déjà commencé à en avoir. Donc, généralement, on commence dans l'année après le début des rapports sexuels. En France, ils ont rajouté cette petite notion que même chez une personne vierge, à partir de 25 ans, quoi qu'il arrive, elle commence. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec le fait que, je précise, il n'est pas obligé d'y avoir eu pénétration pour pouvoir avoir été infecté par le papillomavirus. Voilà, ça c'est pour le petit détail. Désolée d'entrer déjà dans les détails à quelques minutes du début de la conférence, mais c'était important. Et puis en France, la répétition des frottis, c'est tous les 2 ans. En Israël, c'est tous les 3 ans. Voilà, bon, moi des fois, j'insiste auprès de mon gynécologue qui est française de lui dire, vas-y, remets-moi un frottis tous les 2 ans, je suis plus rassurée, mais tous les 3 ans, c'est très bien aussi. Il y a un âge où on arrête parce que j'ai entendu parler d'une femme qui m'a dit qu'elle était chez le gynécologue, Ouais. une Française qui arrive en Israël, et elle a dit, et le frottis, elle a dit, mais madame, vous avez plus de 64 ans, 62 ans, Ouais, parce c'est que clair généralement, que on te dit que c'est entre 10 à 30 ans après l'exposition avec le papillomavirus. Donc, c'est sûr qu'à partir d'un certain moment, s'il n'y en a pas eu, si jamais ça n'a jamais été détecté pendant tous les frottis, bon, bah, il ne va pas normalement, être une femme tout qui vit avec un qui est mariée, normalement, après l'âge de 60 ans, on lui dira, Madame, mais c'est une comme fille. pour la mammographie, ça s'arrête à l'âge de 75 ans. Donc, on en parle maintenant. Donc, ça commence à l'âge de 50 ans. Donc, on va parler des femmes d'avant, parce que les femmes d'avant sont très importantes, je ne les oublie pas. Elles concernent 22% des diagnostics de cancer du sein avant l'âge de 50 ans. Voilà. Maintenant, pour les femmes après 50 ans, c'est ça qui est génial. Elles ont bénéficié de la mammographie associée à l'échographie. Et de là, on va dépister les cancers les plus petits qui existent et à un stade tellement précoce qu'on va faciliter les traitements. D'accord? Donc, ça, c'est le dépistage précoce. Pour les femmes, avant, c'est ça qu'on avait préparé la dernière fois pour Octobre Rose toutes les deux. Ouais. On a préparé des petits films pour montrer aux femmes comment se palper sous la douche. Donc, Enfin. bon, je ne vous le refais pas ce soir. Si Non, vous n'êtes plus on en parlera après quand même parce que c'est on important. vous remontrera. Enfin, je suis allée assez loin dans les mouvements pour montrer avec les deux mains sous la douche, avec un gel douche. Faut pas hésiter une fois par mois à se palper. On va vous montrer la On vidéo va en si parler. ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pardon, 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 j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave, trop de mémoire. Moi, j'avais une question de plus avec le frottis. Je sais que c'est une question qui va paraître très bête. Et j'ai eu là-dessus une discussion un peu houleuse avec mon gynécologue, un ancien gynécologue, pas actuel, qui, à ma demande, quand j'étais jeune mariée, je lui ai demandé, et le frottis, puisque ça y est, j'étais jeune mariée. Et il m'a répondu avec d'un air un peu bizarre. Mais vous avez un foulard religieuse, il n'y a pas besoin. Alors, moi, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce qu'on répond à ce il n'y a pas besoin parce que vous êtes religieux? Bah, déjà en Israël, qui est quand même une population musulmane religieuse et juive religieuse assez prépondérante, il y a quand même 230 femmes qui vont développer un cancer du col de l'utérus par an. J'ai dit, on ne parle pas des morts, ne parlons pas des morts. Bref, je ne vous parle pas de celles qui vont pas bien. 230, ça me paraît beaucoup. Parmi elles, et dans mon expérience ici en Israël, j'ai vu des femmes religieuses avec des kissouilles, avec des perruques. On n'est pas protégé. Le papillomavirus est un virus qui passe complètement inaperçu chez l'homme. 90% des hommes sont porteurs, je rappelle, pas en Israël, dans les autres pays. Donc en Israël, probablement, c'est moins. Et c'est pour ça que les femmes sont peut-être plus protégées et qu'on aurait tendance à se dire, bon, allez, ma fille, elle va de toute façon bien se comporter ou mon gendre va bien se comporter. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre faut pas prendre de risques. C'est-à-dire, si on a la chance d'avoir ce vaccin qui existe déjà depuis une vingtaine d'années avec énormément de recul, on sait ce qu'il apporte. On va en reparler tout à l'heure. Encore une fois, il me tient à cœur. Je l'ai fait personnellement. Je sais qu'il me sauve la vie personnellement. Voilà, comme ça au moins je peux parler librement. Vous êtes plusieurs à m'entendre ce soir. Non, c'est vrai, personnellement.
on est soumis au papillomavirus beaucoup plus que ce qu'on en pense, d'accord? Et on ne peut pas garantir que notre fille, notre fils ou le conjoint de nos enfants va avoir une conduite irréprochable sur l'ensemble de la vie. Et je ne voudrais pas punir mes enfants, moi personnellement, je suis très contente de l'avoir fait personnellement, et je ferai en sorte de vacciner mon fils, mes fils et mes filles, si Dieu veut. Voilà, j'ai absolument aucune crainte. Voilà, on est quand même dans une période où on a eu pas mal de vaccins qui sont passés. Il y a pas mal de gens qui ont peur du vaccin du coronavirus, encore une fois. Là, on ne parle pas d'un vaccin qui a été créé très rapidement. On parle d'un vaccin qui a une assise depuis une vingtaine d'années. L'Australie a des chiffres exceptionnels. Ils ont fait disparaître le cancer du col de l'utérus. C'est exceptionnel. Et en Suède, ils ont fait des études sur 1,7 million de personnes. Et il y a 90% du risque du cancer lié au papillomavirus qui est... Enfin, voilà, c'est une diminution de 90%. Je pense que c'est tellement parlant. Enfin, je veux dire, on a tellement un cadeau. Donc, utilisons-le. Voilà, on l'a dit. Dans le point de vue équivoque, pour reprendre le cancer du col d'utérus, les points à retenir là-dessus, ce serait de 1, se faire tester régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, selon qu'on soit en France ou en Israël, dès qu'on a d'un an après les premiers rapports sexuels et en France, dès 25 ans environ. Ça ne change rien qu'on soit... religieuse par religieuse, ça, on tente de faire, et en plus de cela, et ça on dit haut et fort, le vaccin existe, le vaccin est offert aux jeunes filles et garçons vers l'âge du collège, en Israël et en France, et tout le monde le fait, les garçons et les filles. Le fait d'avoir une fille qui se comporte bien, un garçon qui est un vrai tzaddique, ce n'est pas une protection pour comme ainsi, et le faire quelque part, ce n'est pas un risque pour eux, mais au contraire, c'est préserver la vie d'autres personnes parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Précise aussi, bien résumé, on protège aussi contre les cancers de la bouche liés au papillomavirus. Donc, normalement, le cancer de la bouche, vous savez tous, c'est plus lié au tabac et à l'alcool. Mais dans 25% des cas, c'est des cancers liés au papillomavirus. Donc, ouais. Ouais. Je ne vous fais pas un schéma. Si le papillomavirus était en bas et qu'il y a eu un contact oral, voilà. Oui, bah, oui, voilà. Effectivement. Et du coup, les garçons, à ce moment-là, c'est important de les protéger aussi parce qu'ils vont pouvoir développer un cancer ORL et c'est pas sympa. Voilà. Du coup, je pense que c'est important. Après, il y en a un autre dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le cancer de l'anus. Bon, il est assez rare, donc ça va, on peut le mettre de côté, mais quand même... Ça existe. Ouais. Ok. Donc, on a parlé du cancer du col utérus et la prévention. On a parlé légèrement du cancer du sein et on va plus en parler du point de vue dépistage. Il y a un cancer pour lequel tu as dit qu'il y a un problème de dépistage. C'est le cancer des ovaires. Et ça, c'est un cancer qui fait peur. D'abord, combien il est courant? Et après, est-ce qu'il y a quand même une manière, quelle qu'elle soit, de le repérer, en fait? Au Rajan, non, il n'est pas très courant. Malheureusement, on le dépiste très tard parce qu'il entraîne alors, soit des modifications dans les règles et dans le cycle, soit une pesanteur pelvienne, mais vous avez bien compris que si on en est déjà avec une pesanteur dans le ventre, c'est qu'on a déjà une masse de tumeurs assez importante. Donc, ça m'embête un petit peu, c'est assez tardif. Voilà. Et sinon, bon, des fois, après, c'est à des stades encore plus tardifs. Voilà. Bon, ça, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire, mais soyez quand même en alerte sur votre corps pour voir si jamais il y a des modifications de votre cycle. Ne vous dites pas « j'ai été vaccinée contre le corona », ne vous dites pas « j'ai eu le corona », ne vous dites pas « ça arrive des fois de saigner entre les règles ». Non, là-bas, c'est clair, c'est simple. On saigne un nombre de jours spécifiques. Si on a le stérilé un petit peu beaucoup, mais si on n'a pas le stérilé, on ne doit pas saigner entre les règles. On ne doit pas saigner de manière trop abondante pendant les règles. Et il ne doit pas y avoir de trucs aléatoires si ça se reproduit sur plusieurs cycles. Je vous invite à nous consulter. Voilà, très important. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu ce qu'on dit aux femmes. Une femme m'appelle régulièrement pour un problème durant le cycle, un problème de l'alakha. La réponse en général, quand c'est un à-coup, un à-coup, ça arrive. Un dérèglement hormonal, ça peut arriver. C'est un coup de stress, c'est un changement de rythme, c'est un changement de nutrition. Ça peut arriver, mais ça se répète deux fois, on ouvre l'œil.
à trois fois, on arrête, on va parler allergiquement, mais on va aussi dire, allez voir votre médecin traitant, qu'il vérifie. Combien est-ce que les médecins vont penser à ça et pas dire, ma petite dame, vous imaginez, attendez un peu, ou ils sont conscients? Non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on n'a pas parlé du cancer de l'utérus lui-même, la cavité en elle-même. Souvent, ça se révèle par ça, ça se révèle plutôt après la ménopause, donc tout saignement après la ménopause, déjà, ça, là, c'est clair. Grosse alerte. On a parlé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a parlé du fait qu'une femme qui est ménopausée. Ouais, des fois, il y a des saignements après les rapports. D'accord ? Alors, ouais, ça gêne. Et puis ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un ectropion ou autre chose. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Voilà. Ça, il y a les choses pas graves. Rappelez-vous, dans la majorité des cas, vous allez aller vérifier et ce sera bénin, il n'y aura rien. Mais ça vaut toujours le coup d'aller vérifier. Même si jamais vous vous palpez quelque chose au niveau des seins, ça arrive. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Vous avez trouvé quelque chose, vous allez voir le médecin, vous êtes têtu, vous allez jusqu'au bout. Vous allez voir le généraliste, le gynéco, le chirurgien du sein en Israël. Et vous allez jusqu'au bout à chaque fois de votre démarche. Si jamais vous avez trouvé vous-même quelque chose ou il y a quelque chose qui vous tracasse, vous êtes les meilleurs pour prendre soin de vous. C'est hyper important à savoir ça. Et c'est comme toute maman, on lui dit, chaque maman, on lui dit qu'elle est la meilleure pour son enfant pour savoir s'il est. C'est ce qu'on a toujours appris en médecine. Une mère, elle sait mieux que quiconque si son enfant a un problème et il faut la suivre jusqu'au bout si jamais elle est persuadée qu'il y a un problème enceinte ou d'un enfant. Pareil pour vous, c'est toujours pareil. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut toujours aller jusqu'au bout de ce qu'on pense. S'il y a une phrase que j'ai envie de conserver, peut-être pas la seule, mais une que j'ai envie de conserver, ça sera celle-là, c'est suivre son instinct, parce que trop souvent, et je trouve en tant que femme aussi trop souvent, les médecins ont tendance à dire « ma petite dame vous fait des idées, votre enfant va très bien, ma petite dame vous fait des idées, ce que vous verrez c'est normal, on le voit dans, moi je le vois chez moi en tant qu'accompagnatrice en halakha, les femmes qui se font recaler à cause d'endométriose, qu'on ne prend pas au sérieux. » Et c'est pareil en fait avec les cancers et tout le reste, puisqu'on ne va pas forcément croire une femme. Les douleurs sont imaginaires ou autre chose. Et là, vraiment, tu dis clairement, tu sens quelque chose, tu y vas jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui est important. On a parlé de comment vérifier un peu en avance. On va en reparler encore. Mais une question qui est importante, tu disais qu'un cancer, il y a souvent un aspect génétique qui augmente les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui sont vraiment importants à prendre en compte et à éviter autant qu'on peut? Alors, pour la génétique, heureusement, c'est rare. On est en train de parler de moins de 10% des cancers. Okay. Mais ce qu'on avait vu ensemble quand on préparait le cours, c'est que je t'ai dit que même si 100% de la population un jour s'arrête de fumer, même si tout le monde a une consommation d'alcool, allez, je bois quelques lichettes au qui-douche, ou je me mets à faire du sport de manière régulière, ou je fais attention, j'ai plus de surpoids au niveau abdominal. Bref, même tout ça, il y aura toujours des cancers, j'aurai toujours du travail, désolée. Et non, mais bon, je veux bien être au chômage, moi, ça ne me dérange pas, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Je pense qu'il faut vivre sa vie sans culpabiliser. Mais rester quand même avec un train de vie qui soit plus ou moins... Ce que j'ai tendance à dire, c'est si jamais les gens arrivent à comprendre de stresser moins, mais est-ce que c'est possible dans la vie de tous les jours de stresser moins pour des broutilles? Parce que voilà, effectivement, moi je suis quand même en contact avec des gens qui vont vraiment pas bien, donc tous les jours j'ai un petit peu une piqûre de rappel de Héloïse, t'en prie, arrête de stresser pour des trucs pas graves et futiles. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu cette chance, moi, tous les jours de m'apercevoir qu'on est. On est, grâce à Dieu, vraiment bien protégé. Il y a pas de risque, tu veux dire? Bah oui, toujours. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas prouvé la preuve entre un facteur de choc ou un facteur de stress et le développement de la cancérogenèse. Mais bon, il y a quand même toujours une histoire où c'est quelques années après. Donc, ne reprenez pas cette phrase en vous disant « ça y est, le docteur a dit que j'ai eu un choc et j'ai eu un grand traumatisme et j'ai développé un cancer ». Mais quand même, on le retrouve. Donc, après, je n'ai pas la preuve formelle du développement et quelle cellule est vraiment allée venir commencer à avoir un processus où elle commençait à dévorer tout sur son passage. Mais il se trouve quand même. Maintenant, le plus gros facteur à arrêter, ça y est, on y est, c'est le tabac. Oui. Alors, si vous fumez, c'est sûr, je ne sais pas, genre,
J'essaie, je vais l'expliquer avec mes mots. Je vais vous dire le déclic. Je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé 7 ans. Je l'ai commencé très jeune. J'avais 14 ans. Parce qu'avait 21 ans. Ouais, c'est hyper jeune. J'aurais pas dû. Et en fait, j'ai arrêté juste après ma première année de médecine parce que, en fait, il y a un prof qui s'est planté devant nous en faculté. Et on était 6-7 filles comme ça à fumer. Et il a dit c'est pas sympa quand même ce que vous faites à vos enfants. Alors, on regarde comme ça un peu. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On n'est pas enceinte, donc ça va. Et en fait, il nous a rappelé, c'est vrai que depuis qu'on est nous-mêmes des enfants, enfin, même des embryons à l'intérieur de nos mères, nous, femmes, on a déjà tout notre stock d'ovules qu'on ne va faire que développer au fur et à mesure et perdre au fur et à mesure à chaque fois qu'il va y avoir les règles. Et du coup, il nous a rappelé que oui, nous sommes porteuses de nos enfants. Du coup, il m'a rappelé que en fait, j'étais en train de commencer à faire fumer mes enfants. Et du coup, ça a été un énorme électrochoc ce jour-là où j'ai commencé à me dire « Ouais, chaque cigarette, elle est nocive et tout. » Donc, maintenant qu'ils sont nés, mes enfants, j'ai un peu honte. Et en même temps, je me dis « Bon, ça, je me suis arrêtée assez tôt. » Donc, je pense que, si Dieu veut, je n'ai pas provoqué quoi que ce soit de nocif pour eux. Mais voilà, si jamais je peux faire arrêter une femme parce que finalement, elle... Beaucoup de femmes vont s'arrêter de fumer pendant leur grossesse. Voilà, ça, c'est à peu près admis. Maintenant, il y en a beaucoup qui reprennent après. Juste repensez à vos enfants d'après ou pensez tout simplement à vous-même. Voilà, c'est... Le tabac, ça tue. C'est vraiment l'horreur. Ils mettent 70 substances cancérigènes. Les laboratoires de cigarettiers sont... C'est des ordures, excusez-moi de vous le dire, mais c'est... Non, c'est vrai, franchement, je vous le dis, je n'ai pas de contact avec les laboratoires pharmaceutiques et encore moins avec les cigarettiers. Et franchement, je trouve que c'est les pires ordures de la planète, vraiment pour avoir mis autant de substances pour faire une addiction au point que les femmes n'arrivent pas à arrêter de fumer, ou les hommes, bien sûr, c'est pareil. Donc, c'est flagrant, par exemple, quand vous regardez les statistiques, les musulmans, enfin les Arabes israéliens, fument plus chez les hommes. Donc, ils ont beaucoup plus de cancers du poumon. Chez les femmes, c'est les femmes juives qui fument plus que les femmes arabes. Et elles ont plus de cancers du poumon. Bon, cherchez pas. De toute façon, on ne va pas reparler ce soir pendant des heures, mais le tabac, ça tue. Ouais, je... Ok, donc le tabac, arrêtez. La génétique, tu as dit, c'est un problème aussi. Oui, mais très faible. C'est-à-dire qu'on ne pourrait rien y faire. Voilà, mais, est-ce qu'il y a autre chose qui est aussi un facteur de risque? Donc, l'âge, mais ça, plus vous vieillissez, plus vous... D'accord, on sait bien. Et après, bon, y a aussi, on peut dire, le surpoids et la sédentarité, mais à très, très faible impact par rapport au tabac. Et le nombre de cycles que vous avez eu, c'est-à-dire plus une femme va être... avec des premières règles tôt et un nombre, donc beaucoup, beaucoup de règles dans sa vie et elle ne va pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, du coup, il va y avoir toujours une expulsion d'ovules à chaque cycle. Contrairement à une femme qui va les avoir tard, qui va avoir beaucoup d'enfants, du coup, ça va bloquer la menstruation. Donc, tout ça, c'est des facteurs hormonaux. Et ça, pour le coup, on ne peut pas trop y jouer. C'est un peu votre histoire de vie et ça... Bon. On ne va pas reparler pendant des heures, mais voilà. Et ça veut dire quoi? Une femme qui est... Elle est plus à risque. Elle a commencé plus tôt à avoir ses règles et si elle n'a pas beaucoup d'enfants par rapport à une femme qui aurait... Elle est plus à risque. Donc, ça veut dire quelque part qu'une femme qui aurait beaucoup d'enfants, qui commence tard, une femme qui allaite, oui, qui n'a pas de règles à cause de ça, quelque part, ça serait... c'est pas une garantie pour ne rien avoir, mais quelque part, ça, c'est un facteur de protection. Ouais. Ok. Donc, ça va savoir. Bon. Après, oui, c'est bon. Mais ça, bon, ça va pas changer la vie des gens. Mais bon, ça... Non, c'est clair. On va pas avoir des enfants non-stop juste pour cela, puisque c'est pas non plus quelque chose qui est garanti. Mais c'est quelque chose qui peut être bon à savoir quand même et qui est important, je pense. Donc en fait, vivre une vie qui est saine, ouais. Ne pas fumer, prendre soin de nous, c'est important. Alors, on va parler de... Ça, voilà, sans culpabiliser, si vous n'y arrivez pas, bon, si ce qui doit arriver, mais je ne veux pas que les gens retiennent que je vais leur dire tout parfaitement, c'est impossible de faire tout parfaitement, vous faites au mieux, et du coup, par exemple, dans l'alimentation, j'ai un principe, en fait, comme dans la mer, il y a des poissons qui sont soumis
a énormément de mercure, a des problèmes, enfin vraiment énormément de métaux lourds qui peuvent être. Dans l'élevage de poissons, par exemple, ils sont soumis aux antibiotiques. Dans l'élevage de viande, il peut y avoir. On s'en sort pas, donc c'est manger tout, de toute origine, acheter du marché, acheter bio, acheter des conserves. Comme ça, au moins, si jamais il y a des produits nocifs, vous les avez toutes, mais à petite dose. Donc voilà. Et puis, un truc qui serait magique, ce serait de faire de l'exercice physique, parce que ça, c'est ce que je dis à mes patientes une fois qu'elles ont eu un cancer, on sait que c'est quelque chose qui permet de réduire le taux de cancer. Donc, si Wow. jamais ce soir vous arrivez à vous motiver d'aller marcher avec une copine, de faire des exercices de manière régulière et que ça devienne votre priorité, vous êtes sauvé. Franchement, vraiment. Le sport, c'est un Essayer. médicament. Je vais Ah, mais bon. essayer. Si tu arrives à me convaincre, ça sera extraordinaire. Ouais, c'est bien. On a parlé avant de cancer du sein, on a parlé avant de dépistage seul, surtout quand on est jeune et qu'on n'est pas encore à l'âge où on a des mammographies régulières. Palpation et ça, c'est ça. Alors, je n'ai pas tellement envie de faire ici le visuel de la vidéo qu'on avait fait à l'époque, qu'on avait parlé, qui est extraordinaire en soi. Mais j'aimerais quand même, si tu peux, au moins expliquer verbalement qu'est-ce que ça veut dire de faire cette palpation des seins, d'observer les seins, et après on va parler de point de vue technique là-dessus en plus. Donc déjà on avait dit est-ce que la dame elle ressent des douleurs, est-ce qu'elle ressent une gêne, est-ce que au moment où elle met son soutien-gorge, au moment où elle s'appuie sur quelque chose, des fois il y a des découvertes par les maris, pas sous-estimer. Des fois c'est pas forcément une découverte au niveau des seins, c'est au niveau de l'aisselle. Finalement le C'est découvert. important à dire. C'est important à dire que souvent, que le cancer des seins, ce n'est pas uniquement le sein, ça va jusqu'à vraiment l'aisselle. Ouais, bon, si on veut monter, malheureusement, ça peut aussi aller jusque-là sur les aires ganglionnaires qui sont là. Et puis, on avait dit que ça a commencé par une phase d'observation. C'est-à-dire, il y a une énorme campagne qui a été lancée dans le monde entier pour beaucoup de populations qui ne peuvent pas montrer des seins. Donc, en fait, ils ont pris des citrons qu'ils ont mis dans un petit panier pour les œufs et du coup montrer toutes les possibilités. Donc si vous avez un sein qui est fixé, si vous avez un sein qui est rouge, si vous avez un mamelon qui rentre, si vous avez n'importe quoi qui est visible et qui n'est pas comme l'autre sein, qui n'est pas comme avant, quelque chose qui a changé, qui n'est pas comme avant, allez, c'est bon, il y a une alerte, il se passe quelque chose et il faut y aller, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut se faire confiance. D'accord? Encore une fois, plein de lésions sont bénignes, donc il ne faut jamais s'inquiéter. On va jusqu'au bout et sûrement on va trouver peut-être quelque chose de bénin, mais au cas où, on va jusqu'au bout de notre décision. Et puis après, on passe dans ce qu'on appelle la palpation. Donc moi, j'aime bien la faire dans la douche. L'eau commence à être chaude et du coup, en fait, effectivement, les tissus du sein commencent un petit peu à se détendre. Vous prenez du gel douche et vous prenez vos deux mains. D'accord? Et après, vous considérez que votre sein, c'est comme si c'était un cadran horaire et vous passez à chaque fois vos mains. Je vais le montrer finalement, on va finir par le faire. Voilà. Et du coup, finalement, voilà, vous passez vos mains et vous utilisez vos deux doigts pour que finalement, à chaque fois, vous descendiez, mais toujours ce soit vos deux doigts puissent se heurter et se heurter à quelque chose. Et si jamais vous passez sur quelque chose, vous n'allez jamais le rater. Surtout sur la douche, surtout avec le gel douche, ça va faire une fluidité dans votre mouvement. Ça prend 1 minute, c'est normal, vous passez à l'autre sein, vous faites pareil sous les aisselles, il faut bien rentrer. C'est pour ça que la dernière fois, on avait dit qu'il faut se couper les ongles, impossible de vérifier une palpation là, sous les aisselles, si vous avez les ongles longs, vous allez vous faire très mal. D'accord? Et après, on avait dit de vérifier s'il n'y avait pas un écoulement. Donc, toute femme en train d'allaiter, qui est enceinte, qui vient d'accoucher, enfin, bon, bref, vous inquiétez pas, si jamais vous pressez, il y aura toujours un écoulement de lait à gauche ou à droite. Par contre, si vous voyez un écoulement de sang, un écoulement de purulent jaune, pas beau, enfin, bon, bref, tout ça. Bon, là, pour le coup, vous pouvez vous inquiéter. Encore une On va fois, vous attendre. inquiétez, vous allez jusqu'au bout de votre. D'aller voir le médecin, mais ça se trouve, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de pathologies bénignes du sein, mais il faut avoir un diagnostic. Des fois, ça va jusqu'à la biopsie. Faut un petit peu galérer, il faut un peu attendre, faut un peu paniquer, il faut un peu prier, et puis Et en général, c'est bon quand même. ouais. En général, Et si jamais le mot voilà, de base, c'est en ouais, général quand on vérifie à la fin, la majorité des cas, ça va rester bénin. Ça, c'est ce qu'on veut quand même voir.
mais on ne veut pas louper le cas où ça ne l'est pas. Ça, c'est le mot d'ordre. Alors, quand on parle de ça, on le fait régulièrement. On avait parlé à l'époque, et on parle souvent quand on regarde les conseils des différentes associations des cancers, c'est de faire environ une fois par mois et de le faire à un stade fixe du mois, puisque nos seins changent un petit peu au fil du mois avec les fluctuations hormonales que nous avons. Alors, moi, j'ai vu deux dates particulières pour cela. Une date que j'ai vue, qui était en général, je pense, ce qui avait été écrit au départ avec l'histoire des citrons aussi, c'était le verre dans les mikvaot. Alors, personnellement, je sais que dans notre mikvé chez nous, j'en ai parlé avec la balanite, je n'étais pas baïne à l'époque, elle avait dit, je refuse de mettre ça dans le mikvé. Pas parce qu'elle était contre, parce qu'à l'époque, on avait une femme qui était en plein cancer du sein, donc ce n'est pas la raison. Elle a dit, c'est important, je veux qu'elle le fasse, mais elle a dit, pour beaucoup de femmes, le moment mikvé, c'est un moment où on veut être relax, on veut pas de stress, et le faire ça avant, si elle devait trouver quelque chose, ça veut dire les mettre vraiment dans un stress impossible. Elle ne voulait pas de ça. L'autre option que j'avais pensé, on avait parlé avec la personne avec qui je travaille à Mikva Calendar, qui donne des rappels pour les dates, c'était de mettre ça au Hefsek Tarai. Donc, à chaque fois qu'on envoie les rappels pour les femmes, tous les temps, j'ai un mail. Ça veut dire quoi, examen de la poitrine? Parce qu'on a écrit poitrine et pas sein, parce qu'on a écrit sein. Et des gens ont dit qu'en SMS, ils refusent de voir ça en SMS. Donc, par mail, c'est sein et par SMS, c'est poitrine, parce que les gens, ils ont peur que leurs enfants aient pas quelque chose. Ça veut dire quoi, examen? Parce que chaque fois qu'on envoie le rappel de Sectara, on envoie aussi, n'oubliez pas de faire un examen. Avec le fait que si on sauve par cela, ne serait-ce qu'une Je femme, le reçois aussi. Alors, la question, c'est à l'époque, d'un côté, on a le soir du mikvé qui, si c'est avec l'ovulation, il y a aussi des changements hormonaux, donc c'est pas idéal, franchement, et ça stresse les femmes. Et le Hefsek Tara, est-ce que c'est pas trop tôt dans le cycle? Et dans ce cas-là, quand c'est qu'on va faire cette fameuse palpation, que ce soit une bonne date, sans pour autant l'oublier? Bah, disons que du coup, il Oui, me mais c'est reste vrai plus que les que Shiva la Nikki. date idéale, ça serait quoi? Il n'y aura pas une date idéale. Le mieux, c'est de le faire une fois par mois. Et ouais, si jamais, de toute façon, il y a eu un doute à un certain mois, d'accord, ou à un endroit, il y a eu un doute. De toute façon, tu vas revenir de manière spécifique à cet endroit-là D'accord. pour pouvoir aller vérifier. Et du coup, si jamais ça a encore changé d'aspect, ça a augmenté de taille ou quoi que ce soit, de toute façon, tu vas avoir une alerte. Donc, ce ne sera pas le moment où tu le feras. De toute façon, à partir du moment où tu commenceras à sentir quelque chose. Alors, tu vas répéter ton geste et tu vas retomber dessus, voire même tu vas le répéter à d'autres moments parce que tu D'accord. as une Donc, mémoire. c'est pas grave. Donc, choisir un jour ou l'autre, c'est Ouais. pas Moi, important. j'aime bien. L'important, c'est de choisir une date. Moi, je le faisais au mikvé, en vrai. OK. Maintenant, j'en ai parlé effectivement aussi à ma balanite une fois qu'on avait eu notre discussion et je la comprends. C'est vrai que voilà, le mikvé, c'est un moment de kiff. Et limite, des fois, ça peut ressembler à un spa. Bon, pour certaines, c'est pas du tout C'est ça, pas mais. Mais du coup, aller rajouter en plus check, c'est pas possible. Donc moi, je l'aime bien au moment du Hefsek Tahara aussi. Je trouve que c'est tout à fait logique ou pendant les 7 jours ou voilà. sans Non, je penser reviens une date un qui tout soit vraiment petit peu claire. à ce que tu m'avais pas dit. En plus d'être debout dans la douche, il y a aussi certaines lésions qui ne se checkent que quand on est allongé. Donc là, le gel douche, c'est pas possible. On peut pas s'allonger dans sa douche. Et c'était pour ça que le mikvé aussi, c'était bien parce qu'on pouvait être et debout et un peu allongé. Donc il y a des lésions qui ne se sentent que parce qu'on est en contact avec, on est allongé et du coup avec la gravité, on peut se palper et on se palpe contre la cage thoracique. Et du coup à ce moment-là, on sent des lésions qu'on ne sentait pas en étant debout. Donc on avait dit, voilà, est-ce que dans ce processus où on faisait le test sous le gel douche, sous la douche, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rajouter un côté où on est sur le lit allongé et on fait l'examen toujours pareil, très rapide, pour que il puisse se faire de manière régulière. Voilà. D'accord. Donc ça, on l'a dit. Juste confirme-moi, une femme qui est sous contraceptif hormonal, elle peut quand même le faire, même si ça va un peu changer les choses. S'il y a quelque chose, elle le trouvera quand même. Une femme qui est enceinte, pareil. Celle qui allait être plus compliquée parce qu'elle a le lait qui monte, mais c'est possible aussi. Il n'y a pas Elle va d'excuse. se stimuler son lait, quoi, les deux, D'accord. entre la Mais pompe et en gros, il n'y a pas d'excuse. la... Non, non, il n'y a pas d'excuse, vous pouvez le faire tout le temps, voilà, c'est tout. Super.
Et comme tu as dit, se connaître, c'est vraiment avoir la première, la Faut pas première croire, impression. il y a eu beaucoup trop de médecins qui ont dit ouais, c'est une boule de lait. Bon, ok, c'est une boule de lait. Ou c'est un abcès, ou c'est machin. Oui, par exemple, en cas d'allaitement, bien sûr qu'il y a toutes les pathologies liées à l'allaitement. Même une fois, il y a une dame qui a eu une mycose, qui a mimé complètement un cancer. Et franchement, vraiment, j'étais très surprise, mais ce n'était qu'une mycose. Alors, vraiment, pour vous dire que quand c'est bénin, c'est bénin. Une fois que c'était réglé entre le bébé et la maman, c'était réglé. Et du coup, voilà, non, je. Et on avait dit aussi, il y a des applications sur les smartphones Je me rappelle. pour le rappel. C'est très sympa, c'est ludique. Tiens, regarde, je t'envoie un rappel. Tu te contrôles une fois par mois et voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est tout ce qui est en fait prévention qu'on peut faire nous-mêmes à la maison tranquille. Avec Ouais. ça, il y a des choses qui vont se faire uniquement dans le cadre médical. On a parlé déjà des fruits. Au passage, je ne l'ai pas dit avant, mais je le dis quand même parce que c'est moi, c'est une évidence, mais il faut le dire. Un fruit ne rend pas NIDA. Vous avez un saignement dû à un fruit. C'est parce que ça a frotté, ben justement, y compris durant les Shivanakim. Donc, on a eu frottis. À part cela, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire pour dépister d'un point de vue médical et pas seul à la maison? Tu me parles de quoi? Des trucs génétiques? Deux choses. Ben, d'abord, une chose à laquelle je pense déjà, on a parlé de problèmes dans les règles, des saignements qui n'importe comment. Là, c'est clair que je vais chez le médecin, il va vérifier, il fera quoi? Des prises de sang, des échographies, tout cela? Déjà, on peut reprendre la base. Il va examiner. Il va La faire gravité. un. C'est la base. Eh ouais, il faut. Désolé. Spéculum pour voir le col, toucher vaginal pour vérifier s'il n'y a pas une lésion dans le vagin ou quoi que ce soit. Bref, une D'accord. palpation abdominale. Reprenons la base. Un interrogatoire, poser des questions, savoir quand est-ce que ça se produit, le saignement ou quoi que ce soit. Et après, on passe aux examens. Oui, des prises de sang pour vérifier que toutes les hormones qui ont lieu entre le cerveau et toute la partie génitale sont normales. Et puis, on peut arriver très rapidement à échographie, Et le reste. bien plus tard, IRM, des choses plus compliquées, mais bon. D'accord. Une autre chose, dépistage qui existe et dont on n'a pas parlé, qui se fait comme prise de sang aussi, ça serait un dépistage génétique. Alors, la question ici, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je sais que dans ma famille, j'ai des femmes qui ont un cancer du sein ou autre, alors, et je vois que ça est écrit aussi dans le chat qu'il y a des femmes qui ont eu ça. Donc, dans ce cas-là, je sais que je suis à risque. Quelque part. Et il y a plusieurs choses. D'abord, il va avoir des répercussions d'un point de vue de traitement normal. Je suppose que si une femme qui, normalement, une femme qui dit qu'elle a 3, 4, 5 personnes dans la famille qui ont un cancer du sein, même si on ne va pas l'envoyer directement faire un dépistage génétique, on va pas lui donner d'office certaines hormones si elle veut un contraceptif. On va lui dire, désolée madame, mais prendre une pilule avec l'estrogène, ce n'est pas une bonne idée. Mais à part cela, je veux faire un dépistage génétique. Je suis ashkénaze, même si je ne suis pas. Quel est le processus à faire? En Israël, on va chez le médecin. Et de là, il continue. On a d'expérience, on a des papiers à remplir. Et par rapport à ça, on reçoit quel dépistage faire. En général, c'est gratuit ou si on veut faire plus pousser, on paye. En France, c'est pareil, je suppose, c'est ça? Ouais, bah, en France, en fait, bon, enfin, à peu près sur les deux pays, c'est assez similaire. Bon, si personnellement vous avez eu un cancer jeune, déjà, vous allez très rapidement, on va vous proposer de faire une consultation oncogénétique. Si on repère dans la famille des cas de cancer multiple, bon, bah, pareil aussi, hein, on va très rapidement, surtout si on parle de cancer colorectal, cancer du pancréas, cancer des ovaires, cancer du sein, les leucémies. Bon, si on commence à voir qu'il y a un petit melting pot pas très sympa dans la famille, on va y aller assez rapidement. Si une personne aussi développe plusieurs cancers simultanément, c'est pareil aussi, on va très rapidement lui proposer quelque chose. Et puis, si vous êtes dans la famille d'un cas index, c'est-à-dire, je m'explique, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a eu un cancer et pour qui on a dépisté une mutation génétique, donc vous faites partie de sa famille, on va vous proposer, vous allez être contacté pour pouvoir vous dépister vous-même. Donc il y a deux possibilités. Vous faites la politique de l'autruche, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas eu le message,
C'est possible, mais du coup, vous êtes quand même beaucoup plus à risque qu'une population générale. Et vous pouvez quand même éviter de stresser parce que dans la majeure partie des cas, bah, vous ne serez pas porteur de la même mutation que votre famille parce que la génétique est comme ça. Et du coup, bah, vous pourrez peut-être arrêter de stresser. Maintenant, une fois que c'est découvert et que vous-même, Ras Shalom, je rajoute au cas où, voilà, on vous a découvert quelque chose. Alors là, pour le coup, il y a des choses à faire. OK. J'avais dit en premier duquel je dédie ce cours à Angelina Jolie. Non, c'est vrai. Je l'aime beaucoup en fait. Elle nous a beaucoup aidé. Elle a médiatisé quelque chose qui a été très difficile. C'est une femme magnifique, tout le monde le sait. Faire une double mastectomie quand on est très belle, très médiatisée, c'est pas simple. Et puis du coup en faire parler au monde entier. Sa maman a eu un cancer de l'ovaire, je crois qu'elle est porteuse du gène BRCA1, et du coup va se poser la question, puisque sa maman a eu un cancer à l'âge de un peu moins de 50 ans, elle va devoir se faire retirer les ovaires et du coup rentrer en ménopause. Je ne sais pas si elle va autant le médiatiser que la première partie, mais elle nous a beaucoup aidés. Il y a eu beaucoup de femmes qui, du coup, sont passées à l'acte comme elle, qui se sont protégées. C'est un acte très difficile. J'accompagne en ce moment avec Rafaela une dame qui a subi une double mastectomie puisqu'il y a eu trop de cas de cancer dans sa famille. Donc, elle voulait l'éviter. Donc, grâce à Dieu, elle était avant, mais c'est quand même très difficile. C'est-à-dire, elle n'a pas eu de cancer, mais franchement, vraiment, c'est comme si pratiquement elle en avait eu un parce qu'elle a dû se protéger elle-même, si jeune comme ça, et de retirer tout, je trouve que c'est très difficile. Donc, c'est vraiment un acte de courage de faire ça. Et en même temps, cet acte héroïque lui sauve la vie. Donc là, elle passe une période un petit peu difficile. Et si tu veux, après, elle va faire son rétablissement. Mais c'est énorme. Et c'est important. J'aimerais dire là-dessus, parce que la question se pose parfois sur deux points de vue. Du point de vue anarchique, j'en dis, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Pour plusieurs raisons. D'abord, la raison de faire quelque chose qui nuit à son corps, entre guillemets, enlever, couper une partie de son corps, c'est quelque chose qui, en général, n'est pas quelque chose qu'on fait. Là, il y a un consensus de tous les décisionnaires modernes. Ce n'est pas une question. On parle de picor nefesh, de safek picor nefesh, de vraiment de danger de mort ou même de doute qu'il y a un danger de mort. Et il n'y a pas de problème, on peut le faire. Surtout que dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on fait contre son corps, mais qui est en fait là pour avoir des répercussions positives pour son corps. Il n'y a aucun problème anarchique. Alors, il y a une question anarchique sur la reconstitution du sein, où on va vouloir reconstituer. La chirurgie esthétique est permise parce que le kavod abriyot est important, le fait que les gens puissent se sentir bien avec eux. Là où il y a plus de problèmes, entre guillemets, ce sera le tatouage du mamelon, qui est beaucoup plus complexe que le reste. Et même là aussi, on peut trouver qui va nous aider. Vraiment, ne pas avoir peur d'en parler avec quelqu'un. Parfois, avoir l'accompagnement anarchique peut aider à travers cette période, de tous les points de vue. Et donc, ne pas hésiter à parler à quelqu'un, à chercher quelqu'un qui peut nous aider. Mais c'est important. Et tu as parlé avant de mastectomie et du stade d'après, donc des ovaires. Là aussi, il y a une question anarchique qui se pose en général. C'est est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle sérous, c'est-à-dire de se castrer, entre guillemets. Là aussi, une femme... la conception, c'est quelque chose, avoir des enfants, c'est quelque chose qui est de rabanan, pas de raita, donc c'est quelque chose qui a un niveau plus bas. Et là aussi, c'est le même principe, on parle de picroach nefesh, il n'y a pas de question, si c'est quelque chose qui est nécessaire à faire, c'est quelque chose qu'on peut faire médicalement, même si c'est en préventif, quand on sait qu'il y a un vrai problème, parce qu'on va voir plus ou plus. Là, on aura une question, là, je te retourne la question à toi. C'est dans le cas aussi, une femme qui a trouvé ça à 35 ans, 40 ans, elle a déjà quelques enfants, et elle va décider d'enlever ses ovaires. Bon, elle dit au revoir à la famille, à d'autres enfants. Elle va passer une période difficile avec une ménopause très soudaine. Et c'est pas évident, on en parlait de ça il y a quelques heures. Et c'est difficile à passer. Mais quand on parle d'une jeune femme qui a découvert à 20 ans, elle n'est pas encore mariée, qu'elle est à risque, qu'elle a un gros risque et qu'elle a le gène. Et ses chances de survie, c'est vraiment dans les ovaires. Est-ce qu'il y a des solutions pour préserver la fertilité quelque part? Est-ce que quelque part, le fait de l'aider à préserver la fertilité, ça va aussi donner un message d'espoir? Parce que quelque part, tu casses les projets d'une jeune fille et c'est pas forcément facile. Bah, disons, je pense qu'à mon avis, ils évaluent, puisque le risque augmente avec le nombre d'années qui passent,
Très souvent, à chaque fois, entre le moment où tu décides d'aller à la consultation génétique, le moment où tu décides à faire la prise de sang, le moment où tu as les résultats, le moment où on t'informe que tu es porteur d'une mutation génétique et le moment où tu vas avoir une décision dans ta vie, il se passe beaucoup de temps et généralement, malheureusement, ce temps, il est très très long, peut-être 4 ans, 5 ans. Wow. Et généralement, entre-temps, le cancer a fait son travail et du coup, nous, on sait que les femmes sont porteuses. Et on dit quel dommage d'avoir... Enfin, après, on ne peut pas juger. Encore une fois, je ne juge pas, hein, parce que je pense que c'est très dur. Personnellement, je le ferais, mais encore une fois, c'est très dur. Donc, pour une femme jeune, je pense qu'on peut lui laisser. Si elle est mariée et que, allez, c'est imminent, elle peut avoir un enfant, je pense qu'on peut lui laisser en tout en pesant le pour et le pour et le contre et en la surveillant de manière énorme par IRM. Pour surveiller ça, c'est sain ou quoi que ce soit. Bon, encore une fois, c'est très délicat pour les ovaires parce que ça dépend aussi de l'âge d'apparition dans la famille. Si tu es en train de me parler d'un cancer qui est arrivé à 50 ans, il est peu probable que ça va lui arriver à 20 ans. Donc, elle a quand même encore un petit peu d'années devant elle pour qu'on ait le temps de lui autoriser une ou deux grossesses. Donc, ça, en fait, toujours dans les hôpitaux comme ça, les grands hôpitaux, il y a toujours les équipes gynéco, onco-gynéco qui sont reliés et liés à la fertilité. Oui, on va pouvoir préserver la fertilité. Il y a eu beaucoup de bébés qui sont nés après traitement du cancer du sein. Bon, ils ont un travail exceptionnel. C'est possible, mais il faut en parler et en parler tôt. Ouais, plutôt possible. Non, c'est possible. Bon, par contre, il y a une chose en Israël, ça j'ai été très surprise et ça m'a beaucoup choquée. Une femme qui va avoir une chimiothérapie, on va lui congeler jusqu'à son ovaire. Je ne parle pas des ovules ou je ne parle pas des embryons. Donc, on va lui prendre, on va lui enlever une ovaire avant le début des traitements. Et si on veut lui réimplanter avant ses 45 ans, elle doit payer 200 000 shekels. Il y a un problème, je le dis, il y a un gros problème. Si elle veut le réimplanter après 45 ans, c'est gratuit. J'ai été très choquée. Donc, du coup, des fois, vous voyez des campagnes de dons pour récupérer l'ovaire d'une femme qui s'est fait prélever avant la chimio et qui veut, maintenant qu'elle est guérie, elle veut avoir ses enfants et elle ne peut pas. Et, bah, du coup, en France, ce n'est pas un truc qui se passe comme ça. C'est vrai que bon, les mentalités sont différentes. Y a une autre chose en Israël, je voudrais rajouter, et ça, c'est pour vous protéger votre santé, mesdames. Prenez des assurances privées. Trop souvent, j'ai vu dans les hôpitaux des patients qui ne pouvaient pas se payer des traitements qui n'étaient normalement pas dans ce qu'on appelle le panier de soins. En France, c'est des gens qui auraient eu accès à ces traitements. En Israël, on n'a pas accès si on n'est pas assuré. Et j'ai encore eu l'histoire d'une jeune fille qui a écouté les conseils d'une Israélienne, qui a pris son assurance, qu'on s'appelle Mahalot Kashot, qui veut dire les maladies graves. Elle a pris les assurances, elle a récupéré sans rien faire, 300 000 shekels, dès lors qu'elle a eu son diagnostic. Elle a pris l'assurance peut-être un an avant, juste comme ça, parce qu'elle a écouté les conseils qu'on lui avait dit d'un Israélien. Et grâce à Dieu, c'est un truc à savoir. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux et que j'ai vu qu'il y avait des refus de traitement et à quel point ça me faisait mal au cœur, j'ai pris des assurances pour moi, mes enfants, mon mari. C'était plus question. Je vous le dis, c'est encore un truc qui protège. C'est pas des palpations, c'est pas des dépistages, mais prenez, renseignez-vous, allez voir des assureurs. En France, j'en parle pas, c'est génial. Voilà, la santé, elle est géniale, tout est gratuit, on a tout ce qu'il faut, on a des chimios qui coûtent 14 000 euros, c'est pas grave, c'est prescrit. Enfin, c'est exceptionnel en France, donc je ne redirai pas sur la France. Voilà. D'accord. Il y a une question que j'ai posée à un instant, et en fait, ça va être ma question que je vous ai posée pour pouvoir finir. Alors, on a posé en France, il y a un cancer du sang dans la famille proche, ils n'ont pas fait le test génétique. Est-ce que je peux faire l'examen en Israël sans avoir de données génétiques? Oui, ça c'est clairement ce qu'on a dit. Parlant au médecin traitant, remplir la feuille, dire j'ai un proche qui a eu, c'est plus ou moins automatique pour recevoir une ordonnance pour faire des dépistages, ce n'est pas une question. Mais la question que je voulais poser qui va avec ça en fait, si par hasard je sais que je suis porteuse ou quelqu'un est porteuse, alors. Je ne sais pas, si quelqu'un a sa mère qui est porteuse, elle va faire le test pour elle-même. À quel stade, et ça c'est important quelque part, est-ce que je fais tester mes enfants? C'est-à-dire, j'ai une amie qui, dans sa famille, il y a un cancer du sein,
elle et sa sœur se sont fait tester. Elles sont jumelles, jumelles identiques. Donc, elles sont rentrées ensemble. Docteur a dit, vous voulez avoir les résultats séparément, on s'en est dit, bon, où l'intérêt, on est pareil, donc c'est le même résultat. Elles ont eu un résultat qu'elles étaient, elles aussi, porteuses de gènes. Une a décidé de faire une zétomie pour tout enlever. L'autre est restée avec, hein, pour l'instant. Et celle qui a enlevé, les enfants suivants les a eu par FIV. Elle a fait une PMA pour les enfants pour éviter de transmettre ça aussi. Alors, la question de combien est-ce qu'on fait ça? Et la deuxième question en dessous de ça, c'est qu'elle a deux filles, une qui est une jeune fille, une qui est plus jeune. À quel âge et est-ce qu'on devrait tester une jeune fille tôt? Quand il y a un foyer, ou est-ce qu'on va dire, on va attendre que la jeune fille ait 18 ans, elle ait 20 ans, il y a le temps un peu, on peut... Moi, tu me poses une colle, en fait. Je crois, je peux pas te répondre. J'allais te dire que je crois qu'il faut attendre qu'elle ait 18 ans pour avoir son accord. Ça me paraît très... Mais en même temps, si elle est vraiment à risque et que quelqu'un dans la famille a eu un cancer à 22 ans et que normalement, on te dit qu'il faut que tu sois 5 ans avant au minimum, alors il faut essayer de la convaincre. Et je pense qu'il peut y avoir des dérogations. Mais là, tu me poses une vraie colle. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, j'ai tout de suite... Dans ce cas-là, je pense qu'on peut encore faire. Je sais qu'il y a une autre femme, quand on était à cette formation donc de chercheurs dont j'ai parlé, on était une quarantaine de Yod Salaha qui ont appris donc, l'accompagnement des femmes. Et ils ont demandé la question qu'on a posée par combien de femmes connaissent quelqu'un qui est. Et au fur et à mesure, des femmes ont aussi parlé, ont fait des témoignages. Je savais les chiffres, mais j'étais choquée du nombre de femmes, d'amis, de collègues qui avaient été directement touchées, ou leur famille, ou leurs enfants. Et il y avait une fille qui a dit que dans sa famille, il y a ce concept-là. Elles n'avaient pas testé les jeunes, les petits, jusqu'à ce qu'un jour, son adolescent de 15 ans lui dise « Maman, ça me paraît bizarre. » C'était bénin, il n'y avait rien à faire, mais ça a fait un rappel à tout le monde. Et là, ils ont vérifié pour tout le monde, parce que c'était vraiment déjà critique. Mais en général, on ne fait pas ça. Et aussi, si quelqu'un découvre, ça c'est la question pour moi, je pense, mais... dans le monde des Shidduchim, comment est-ce qu'on préfondit ça? Et ça, je pense que tu vois ça aussi dans le niveau et chez les Arabes aussi, et chez les religieux. C'est quelque chose dont on parle ouvertement ou on cache? Parce que, en vrai, ça ne veut pas dire que tu auras forcément quelque chose. C'est un risque. C'est chaud comme question. Héloïse, je te donne 2 minutes pour répondre, pour réfléchir à la réponse. Entre-temps, je voulais juste vous signaler qu'il y avait 2 questions qui ont été posées. Une question, ouais. Quelle est la pilule qu'il faut prendre si on a une génétique cancérigène? Bah, les œstroprogestatifs, quoi, vaut mieux. Enfin, bah, bref, en l'occurrence, hein, je tiens à le dire quand même. Mm-hmm. Faut aller voir son médecin et surtout, je vous en supplie un truc aussi hyper important. Ne vous faites pas prescrire la pilule comme... en non-stop, sans bilan. Enfin, des fois, il y a des gens qui ne vont pas voir le gynéco et pendant 3 ou 4 ans, je ne sais pas, ils n'ont pas vu. Et il y a une prescription automatique par le médecin généraliste. Allez voir au gynéco et il faut réévaluer à chaque fois pour les taux d'œstrogène, les taux de progestatif, les deux sortes de pilules. Hein. Et les progestatives seules et les œstroprogestatives. Une femme qui a eu un cancer, qui a un risque de cancer, pas s'amuser à prendre des pilules comme ça. Surtout. Okay. Donc, la pilule combinée avec l'estrogène, c'est la pilule qui est clairement jamais, jamais OK. C'est la progestérone, le sera OK, mais ça dépend, c'est des cas. OK. Et la deuxième question, c'est quel principe alarique permet la chirurgie des seins? Alors, c'est ce que j'ai dit déjà avant, j'ai répondu. C'est le principe que la Kabbalah, elle va être. Ce qu'on va se faire en mal ou même, ça va être pour quelque chose qui va être positif par la suite et surtout que ça va être pour Pikuach Nefesh. Dans le domaine du Pikuach Nefesh, donc sauver une vie, même le Safek Pikuach Nefesh, donc ce qui est un doute qu'il y ait un problème de sauver une vie, ça repousse même ce qui est d'Oraïta, ce qui est de Torah. Donc là, on parle de choses qui sont beaucoup plus simples et ce n'est donc pas une question, on peut le faire d'un point de vue halakhique. On a tout couvert, je pense. On va ouvrir, s'il y a encore des questions, je pense. On va ouvrir ça, on va attendre, on va donner 2 minutes, 3 minutes aux femmes pour poser des questions, s'il y a encore une question. Ah, il y en a encore une ici, je vois. Ça, c'est pour toi, l'uténil. Concernant la pilule, l'uténil et le risque de méningiome, vous en pensez quoi, s'il vous plaît? Le fameux utérin.
Non, je pense pas. Enfin, je crois pas. Non, non, de mémoire, non. Là, je vais dire ce que m'a dit. Je ne suis pas médecin, que ce soit clair. Docteur Adela. Je vais dire ce que m'a dit le Rav Benjamin David de l'Institut Pois. En Israël, on donne souvent le primo-luteïn, dont la parallèle en France est luthéran, donc c'est l'Uténil qui a ça. En France, il y a écrit très clairement qu'une femme qui prend cette pilule, après 6 mois, doit faire un IRM. Et parce que, du coup, de cela, lui m'a dit, de nouveau, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire plus que ça, qu'il y a un risque, c'est vrai, mais que les risques sont extrêmement minimes. Mais je Bah, sais que, comme toute chose, on prend rien, comme tu as dit, on prend rien à long terme sans faire des bilans réguliers. Et que si on est à risque, déjà, on ne va pas prendre quelque chose non, qui. mais c'est hyper rare. Enfin, je sais pas, j'en ai jamais vu. J'ai vu des méningeurs, mais pas sous l'utérin. Donc, oui, ça peut arriver, mais c'est tellement rare. C'est rare. Mais donc, une femme dont dans la famille il y a quelqu'un qui a eu un ménagium, on va lui dire clairement éviter parce qu'il y a un foyer qui existe, peut-être, éventuellement. Alors, dans ces cas-là, quoi, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une prescription l'utérin, il faut faire un IRM Non, non, non. pré-utérin. Dans l'utérin, il parle après 6 mois de prise, il faut faire un IRM. Il parle de 6 mois de prise. Donc, je suppose que Ça, c'est quand on parle de ton. quelque chose de ponctuel, ça ne devrait pas être un problème quoi qu'il arrive. Non. Ok, alors on a la réponse. Voilà. Voilà. En attendant de voir s'il y a encore une question qui arrive, moi je veux dire merci à Héloïse. C'était passionnant. J'ai un petit peu donné mes avis ici et là, mais je pense que le gros, c'est toi qui l'as fait. J'espère vraiment que les femmes ont appris. Si on a réussi à détecter ne serait-ce qu'un seul cancer, que ce soit pas forcément aux femmes ici, mais à leurs amis, à leur famille, à quelqu'un d'autre, qu'on puisse parler-en aux amis, parler entre familles, partager ses connaissances. Si on arrive à sauver ne serait-ce qu'une personne, je pense que la soirée aura valu le coup. Non, vraiment d'être en alerte. Que ce ne soit pas un sujet tabou et de faire un peu la liste de son arbre généalogique dans sa famille, de reprendre un petit peu qui a déjà eu un cancer, est-ce qu'on est au courant? Alors, bien sûr, dans la population ashkénaze, on a un petit peu embêté parce qu'il y a eu la Shoah. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas nés, il y a beaucoup de gens qui sont partis beaucoup plus tôt. Donc, voilà, ça c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Il faut poser des questions avant que les gens s'en aillent et qu'ils soient plus là. Et de refaire un petit peu le point, ça nous protège, ça protège nos enfants. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Moi, je vais loin, hein, des fois, hein, vraiment, à chaque fois, je reviens décédée de quoi et j'insiste. Ah, peut-être, il y avait un truc, j'ai entendu parler du mot tumeur. D'accord, je le marque, mais après, généralement, quand c'est commencé à être évoqué plusieurs fois ou des trucs comme ça, je mets des petits signaux d'alarme pour aller vérifier. Voilà, c'est important de connaître, se connaître. Merci. Merci Merci à infiniment. beaucoup. Merci Nathalie. Merci Lucie. C'était top. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à toutes. Merci. Merci Héloïse. Ça va? Ça y est, on est offline.